Dédé Moupas à mon nom, je suis né d'un père et d'une mère, bien sûr, mais pas dans des conditions un peu correctes. Pourquoi? Parce que c'est, quand je dis correct, dans des conditions classiques. Non, je suis né dans des conditions traditionnelles. Parce que ma mère est la nièce de l'enfant de mon père. C'est-à-dire l'histoire du contrée où ils évoluaient, où dans cette coutume, il est décidé ou il est dit que à chaque fois que l'enfant de l'oncle doit se marier, il doit récupérer dans la famille de comment je vais dire dans la famille de sa maman. Alors c'est comme ça que ma mère a été donnée. C'est pas une femme qui a été aimée et choisie. Non, c'est une famille, une femme coutumièrement mariée. Et nous sommes les produits de ces mariages qui a donné des conséquences que ça pouvait donner, qu'on n'a pas vécu, nous autres, mais qu'on a perdu très tôt, et que par l'évolution des choses, on a évolué avec notre papa, principalement, et tout ce qui pouvait entourer, parce qu'il n'a pas cessé de se marier, il a eu encore d'autres femmes avec qui il a vécu, et ce qui fait que ce n'est pas une même expérience d'enfance avec tous les autres enfants classiques, mais au moins, ça nous a amené à l'école. Et là déjà, vous devez retenir que c'était une fuite d'affection. Le fait de fuite d'affection, il fallait créer l'affection autour de quelque chose d'autre. Mais pour notre cas, bien sûr, ça nous a amené à créer l'affection à côté ou dans l'école, dans l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Et voilà l'enfance jusqu'à terminer l'université.